Bonsoir, je suis Colette de Vegan Bio et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un livre que j'aime beaucoup et qui mérite vraiment d'être apprécié par le plus grand nombre. Il s'agit du livre écrit par Dani Culot et qui s'intitule Croque la vie. Alors je vous le montre. Des livres sur l'alimentation végétale et crue, vous en trouverez maintenant presque pléthore. Il en sort de plus en plus, souvent des livres de recettes d'ailleurs. Dans ce livre, vous trouverez aussi des recettes. Il y en a, je crois, environ 200, donc il y a vraiment de quoi faire. Mais il a un très gros avantage sur les autres, ce livre. Il est un véritable coach. Elle l'a intitulé, à juste titre, « Ma méthode santé en 21 petits pas ». Vous savez qu'on peut changer du jour au lendemain de mode alimentaire. Ça marche pour certains et pour d'autres, 6 mois plus tard, ils auront tout arrêté parce que c'était trop superficiel, trop rapide. Pour que quelque chose fasse partie de nous, ça doit être assimilé doucement, par petites étapes. Et c'est le cas de la méthode de Dani. 21 petits pas, chaque petit pas dure le temps que vous voudrez le faire durer. Ça peut être une journée, ça peut être une semaine. Mais c'est très très bien, c'est inspiré d'une autre méthode. Elle en parle, voilà. William Edwards Deming est un spécialiste de la qualité Made in Japan qui vise le zéro défaut. Donc c'est la roue de Deming qui est devenue célèbre et enseignée dans les écoles de management et qui parle de 21 petits pas. Enfin, petit pas par petit pas. Donc elle en a mis au point 21. Ce qui fait que vous allez changer, assimiler, intégrer chaque changement avant de passer au second. Alors, par exemple, dans chaque petit pas, il y a la pensée positive, alors avec un thème à chaque fois, à chaque petit pas, un nouveau thème. Là, c'était, on parle du petit pas numéro 1, pour prendre un exemple. La pensée positive, c'est attirer le positif. Il y a une partie alimentation. Alors, je me prépare et je décide. Donc, c'est aussi un changement à chaque petit pas. Et ensuite, l'exercice physique. Et dans ce premier petit pas, c'est respirer mieux. Donc vous allez apprendre à mieux respirer, à observer votre respiration. Et quand vous saurez le programme de ce petit pas, vous allez passer à l'action. Et là encore, elle vous accompagne. Donc c'est très 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 pédagogique. C'est un livre vraiment formidable. Si vous voulez passer à l'alimentation vivante, je vous le recommande chaleureusement. C'est le meilleur à ce jour que j'ai pu voir et j'en vois quand même pas mal, enfin je m'informe pas mal sur ce qui peut sortir. À mon avis, à l'heure actuelle, c'est probablement le meilleur. Parce qu'il, justement, il a cette attitude, cet enseignement très pédagogique qui permet d'assimiler bien chaque pas avant de passer au suivant. Et c'est la seule façon d'intégrer les choses et de vraiment progresser. Alors vous verrez, c'est très très complet. On arrive, alors je vous ai parlé du premier petit pas, on va en prendre au hasard le petit pas numéro 15 par exemple, puisqu'il y en a 21. Alors elle parle de la souplesse. Donc là, la pensée positive, c'est « je suis tolérant ». Alors, c'est très, vraiment très, très détaillé. L'exercice physique, c'est je fais des assouplissements approfondis. L'alimentation, c'est je découvre les algues marines et leurs bienfaits. Donc, toujours ces trois parties à chaque petit pas. Elle s'est aussi entourée d'une jolie brochette d'experts qui donnent leur vision à chaque fois. Par exemple, là, dans le petit pas numéro 12, l'expert, c'est Anthony Chatham. Être dans le rayonnement. Être dans le rayonnement apporte une assise intérieure et permet de s'accepter
tel que l'on est. Cet état améliore la relation à l'autre et au groupe. C'est très court, condensé, facile à comprendre, efficace. En un mot, efficace, je dirais, de ce livre. C'est ce qu'il est, très efficace. Et pour clore toutes ces, enfin clore ou accompagner ces 21 petits pas, vous avez à la fin, enfin la deuxième partie, qui est faite d'explications sur l'alimentation vivante, les premiers achats, les techniques du cru avec la germination, etc. C'est vraiment très très complet, je vous assure. Si vous voulez passer à l'alimentation vivante, vous ne trouverez pas plus complet et plus éducatif, on va dire. Ici, et ensuite, alors après toutes ces explications sur la déshydratation, réaliser une assiette simple et complète pour le déjeuner, il y a même deux journées détox, on passe aux recettes. Et des recettes très simples, faciles à réaliser, que vraiment tout le monde peut faire, il n'y a pas besoin de choses très sophistiquées ou très compliquées. Des exemples d'assiettes, donc petit déjeuner, différents petits déjeuners, même pour les enfants, les bambins. Et qu'est-ce que je fais si j'ai un légume dans ma cuisine? Souvent on a un légume mais on ne trouve jamais une recette qui va avec le légume. Là elle donne des suggestions pour si vous avez un chou-fleur, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous avez un champignon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà, c'est très astucieux, très intelligent comme présentation. Et voilà, je crois avoir vu quelque part qu'il y avait 200 recettes, je ne sais plus où c'est. Mais enfin, vous avez les sauces, les coulis, les pestos, les desserts, vous avez vraiment tout. Et Dani est quelqu'un qui est dans l'alimentation vivante depuis de nombreuses années. Elle accompagne des groupes français à l'Institut Hippocrate depuis plus de 10 ans. Donc elle connaît très bien l'Institut Hippocrate. Elle donne des cours. Donc elle est très au fait de l'alimentation vivante et de ses effets et des techniques qui vont avec. Donc voilà, je vous suggère de lui faire confiance. C'est un coach vraiment de premier ordre. Voilà, j'ai partagé avec vous mon enthousiasme pour ce livre et j'espère que vous serez aussi enthousiaste que moi en le lisant. J'en suis sûre d'ailleurs. Bonne lecture. Et bonne alimentation vivante. Ah, j'ai oublié de vous dire que dans le livre, il y a aussi un DVD de recettes où Dani vous montre, alors en live, voilà, combien 25 recettes de printemps. Voilà, des recettes de printemps, mais en réalité qui peuvent se faire toute l'année. Voilà, c'était la fin, le petit bonus.